Je vais surtout essayer d'éclairer monsieur sur les revendications parce qu'en réalité, elles sont très simples. Elles sont de deux ordres. Le premier, je l'ai déjà indiqué, c'est la volonté d'intervention directe du peuple dans la démocratie via le référendum d'initiative citoyenne. La deuxième catégorie de revendications, c'est sur le fond. C'est la volonté en réalité des gens que désormais la politique serve les intérêts de 99% de la population et non plus des 1% les plus riches. Ça veut dire sur le fond concrètement que les gens veulent des augmentations de salaire, une revalorisation du minimum vieillesse, de l'allocation adulte handicapé, une réindexation des retraites et des allocations familiales sur l'indice des prix. Et tout cela, pour financer tout cela, ce que souhaitent les gens, c'est que soient remis en cause tous les dispositifs fiscaux qui sont au bénéfice des 1% les plus riches, c'est-à-dire la réforme de l'ISF, la flat tax, l'exit tax et le CICE, capté pour moitié par les plus grandes entreprises de ce pays. Et je le dis, l'ensemble de ces cadeaux fiscaux, c'est 20 milliards en 2018, c'est 30 milliards en 2019. Mais est-ce que c'est vraiment, sur ce point-là, je me permets de vous interrompre, parce que ce sont vraiment des cadeaux fiscaux ou est-ce que oui, bien sûr, ce sont est-ce des... que c'est pas une aide aussi Non. dont ont besoin les entreprises? Non, mais attendez, je vous réponds là-dessus parce qu'il y a toujours un amalgame qui est fait entre les petites et moyennes entreprises et les grandes entreprises. Dans les chiffres que je viens de vous donner, je vous ai dit la moitié du CICE est captée par les plus grandes entreprises. Moi, je suis tout à fait favorable à ce que le CICE soit maintenu, mais modifié, avec par exemple un seuil de chiffre d'affaires pour que seuls les PME bénéficient de ces aides. Les grands groupes n'en ont pas besoin. Les grands groupes distribuent des dividendes aux actionnaires par milliard. C'était 93 milliards en 2017. Carrefour, notamment, est un très bon exemple. Il a perçu énormément d'aides et il a licencié et délocalisé. Il n'a donc créé aucun emploi. La seule utilisation, ça a été la distribution de dividendes dont les PME. Je donne la parole à Patrick Martin. Ça serait une bonne idée, ça, le fait de revoir le CICE? Écoutez, je n'ai pas perçu dans les mots d'ordre des gilets jaunes que je vois, mon entreprise est implantée en province, elle est implantée à travers 200 sites dans toute la France, elle a beaucoup de clients, professionnels, particuliers, je n'ai pas entendu parler du CICE sur aucun barrage, à aucun rond-point. Alors qu'il y a une récupération sur ce thème-là. Moi j'y suis, je peux vous dire, j'en ai beaucoup entendu parler. Pas à l'instant, monsieur. Je crois qu'il y a une forme de détournement de l'objet de cette colère, de cette révolte. Je le rappelle, à l'origine, quel est le sujet? C'est un sujet de pouvoir d'achat et notamment de prix du transport pour des populations qui ne bénéficient pas pour différentes raisons des transports en commun et qui, au fil des ans, se sentent délaissées par la nation. Mais monsieur, on n'a pas parlé du CICE. Mais bien sûr que si, il suffit de lire tous les cahiers de doléances qui circulent sur les réseaux sociaux, sur tous les groupes des Gilets jaunes, et vous verrez que le CICE, l'ISF, tous ces dispositifs fiscaux sont expressément mentionnés sur tous les cahiers de doléances. Il y a justement une homogénéité dans les revendications sur la remise en cause de ces dispositifs fiscaux. Que vous soyez dans le déni et que vous ne vouliez pas les voir, ça vous regarde. Mais je peux vous assurer que les Gilets jaunes sont très conscients aujourd'hui des aides qui sont faites aux grands groupes, et ils voudraient que ces aides soient concentrées sur les PME, parce que ce sont les PME qui créent l'emploi et dont les salariés et dont les PME, ce sont elles qui permettent l'investissement dans l'économie.